Amen. Amen. Et là, merci beaucoup. Je vois que je sens que tu travailles avec Dieu. Il n'y a pas d'amélioration. Que Dieu te bénisse. Tiens mon porte. Et ce qui est bien, il chante avec mon chant. Parce que Dieu n'a pas besoin de négocier. Au ciel, il y a quelques adorateurs. Parce que quand il avait le roi, il sentit la son frère était changé. Il sentit la présence de Dieu. Ce que Dieu demande, ce que Dieu fera demande, c'est très important. Vous qui chantez la tête, ne pas les chanteurs, mais soyez les adorateurs. Parce qu'à l'église, il n'y a pas des adorateurs. Si vous arrivez à ce moment-là, Dieu va te glorifier. Dieu n'a pas besoin de belles voix, mais il a besoin de ceux qui l'adorent. C'est qu'il y a une chose spéciale. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Thank you.
Bye.
soir. Pour mon travail. Pour mon travail. Pour mon foyer. Pour mon foyer. Pour mes finances. Pour mes finances. Pour ma santé. Pour ma santé. Par la première place. Ce n'est ni par la force, tu vois,
prie pas les médicaments, c'est pas bon. Donne-moi 3 bouteilles d'eau, bon maïs d'abrache. Je lui prends les médicaments, c'est pas bon. Ça ne faut pas créer une maladie bizarre dans ton corps. Je te demande du mal. Père, tu es le Dieu des miracles. Je prie. Pendant que tu es assis, mais sois l'esprit de prière. On n'est pas à la même conférence dans la vie ici. Père, je prie. Demande-moi. Je lui trouve pas les médicaments. Tu me dis, c'est pas quoi de prière pour moi. Où est ta fille? Elle est où? Elle est dans la fille là. Il faut l'amener l'ingénieur à voir. Tu sais pourquoi Dieu m'a dit, il y a quelque chose que j'ai fait, tu les souviens. Père, je crie dans le nom de Jésus. Sous l'autorité du Saint-Esprit. J'enlève cet esprit de mort. Non, tu ne mourras pas. Je me tiens dans le Seigneur comme prophète et sacrificateur de Dieu vivant. Sous l'alliance que j'ai avec le Dieu, Père, tu m'as dit, va, guéris, reste ressuscité. Je prie dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. J'appelle la vie dans ton corps. Que tout décret de mort est terminé en ce soir. J'arrête ces problèmes qui te dérangent. Dans le nom de Jésus-Christ, en ce soir, tu reçois la vie. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Et tout le monde se lève. Soit devant quelqu'un, c'est ça, tu es comme poulet attaché. Poulet attaché. Écoute-moi, je vois, ne jouez pas votre papa dans votre jeu. Les sorciers ne tuent pas à descendre. C'est pas ce qu'il fait pour moi. Apportez chez moi ici. Il y aura trop de morts brusques à Abidjan. Je sens une forte esprit de mort en Côte d'Ivoire. Parce que, écoute-moi bien, oh ma cabaye gauche. Je suis en train de voir, il y a Brahim, je parle. Je suis en train de voir dans mon esprit. Une association de tous les politiciens au niveau de l'affaire pays. Les gens, il y a un vote qui doit venir, mais je vois au Mara, je parle ce qu'il faut. Je vis les gens assis avec les diables. Et ils sont en train de donner l'ordre de créer l'accident et de tuer beaucoup de gens afin que le pouvoir soit conservé pendant qu'on dit ça. Mais il y a un ange de Dieu qui a un décret. Et que la paix des temps, il y aura tout dans le coin de voir. Je vois les gens en train de courir passer par la chaise pour se cacher. Parce que Dieu me dit que c'est la fin de toutes choses. Mais il y a une voix qui va venir dans la paix des temps. Je vois les policiers, les militaires en train d'enlever les tenues, en train de fuir. Parce que quelque chose de grand va pas arriver. Et je vois les quatre frontières. Je vois le code national à côté des quatre frontières. Le Mali, le Burkina, le Niger et le Guinée. Et au Guinée. Et Mara Kama, Dieu m'a parlé de l'histoire de Babylone, où il a envoyé un roi pour aller déloger le roi en Israël. Et c'est temps-là qu'il a hâte d'arriver. Ne vous jouez pas. Il y a un vent comme maladie. Il y a une maladie, on perd dans la vie qui tue les gens. On dit que c'est comme Palus. C'est quoi quel nom? Vous savez que c'est fatalique, non? C'est diabolique. Parce que je suis en train de parler, je me retrouve au point de Bakou, où je vois les gens, ils ont pris tous les spécialistes, tous les graves spécialistes de Côte d'Ivoire, afin que le couple. La progrès de la Côte d'Ivoire. Et ils ont lancé une maladie pour sacrifier les gens. Ce n'est pas normal, c'est quelque chose qui a été lancé. Il y a un démon qui a été le nom Sokuyama. Ce démon-là, ils l'ont envoyé pour nous dégager la santé, pour tuer beaucoup de cette maladie. Et ça a déjà comme fou, comme dingue, comme bête, comme ça. Mais l'homme dit Père dans le nom de Jésus. Je ne suis pas parmi ceux-là. La mort. La mort est loin de moi au nom de Jésus. L'ennemi n'aura pas l'accès à ma vie. Ceux qui vont le pouvoir faire attention. J'ai vu le pouvoir en feu. Vous allez voir les cas en train d'être brûlés. Ceux qui vont le pouvoir faire attention. Il ne veut pas tout le temps le pouvoir se faire ici. Parce que j'ai vu des monsieur comme si il y a des fois qui sont en train de brûler. Je vois les jeunes avec les armes, je ne sais pas ce qui se passe. À mon demain, c'est où? Je crois que c'est par là-bas que le show doit commencer. Je dis, Père, épargne mon nom de Jésus. Épargne ma maison au nom de Jésus. Il y a encore un carton qui a mis dans cette nation. Dans peu de temps. Parce que j'ai vu dans mon esprit, c'est un carton qui doit tomber. Dans peu de temps. Il va être là, son frère, il tombe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est considéré. Arabashi de Rosara.
Ne jouez pas avec votre temps. On m'a dit à ton fils, il est rentré quand il va au travail. Il faut bien rentrer tôt parce que je lui dis à partir de minuit, il est fort d'une chose. Il faut dire ça. Et le bon ciel. Dis Père en ce soir. Père en ce soir. Et produis-moi. Et produis-moi. Dans ma terre est destinée. Dans ma terre est destinée. Que personne ne m'empêche. Que personne ne m'empêche. Si j'étais emprisonné. Si j'étais emprisonné. Si on m'empêche. Si on m'empêche. Et rentrer dans ma terre. Père. Père. Traverse-moi. Traverse-moi. Élève-moi ce soir. Élève-moi ce soir. Là où j'étais humilié. Là où j'étais humilié. Là où j'étais abandonné. Là où j'étais abandonné. Très bien. Tu connais qui au Maroc? Vous connaissez au Maroc? Qui encore? La sème. Ils font la musique? Le Maroc. Ton frère. Parce que je t'ai vu jouer, j'étais allé au Maroc. Avec un groupe. Il ne peut pas rater les jouer. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'attendre parce que. Qui l'a invité? Tu n'as jamais été joueur de la vie? Tu n'as jamais été joueur. Ouais. Et il n'a pas ta vie. Avec moi, le roi. Tu l'as aidé? Tu dirais, ah, tu es l'eau et pas parti, je devais aller à l'ouest. Faut qu'on coupe contre compte l'esprit masse. Parce que je devais. Je veux parler, mais comme toi, comme si tu ne devais rien avec ça. Mais c'est que j'ai de l'histoire. Je sais que tu t'envoies dire rien. Mais je te vois sur ton dos. Tu n'as pas écrit. Personne. Je vois. Mais je vois encore Franck sur ton dos. Franck. Franck. Parce que pourquoi je n'ai pas laissé des noms? Je te vois avec les prêcheurs d'évangile. Avec les prêcheurs d'évangile. Je te vois avec les prêcheurs d'évangile. Je vois Franck et Chris. Qui avait dit le nom? Qui avait dit Chris? Qui avait dit Franck? Franck, tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux, Franck? C'est tout ce genre à l'école. Franck, venez mon frère. Parce que le dénoir, il y a un lien avec toi, avec ta vie. Il faut pourquoi tu es dans la vie. Je vois quelque chose entre toi et ce dénoir. Tu vois comment? Comment je l'appelle? Emmanuel. Emmanuel, non? Pourquoi Franck? Pourquoi Franck Chris? Je vais lui dire, sois franc. Pas très froid, la tête. Chris, j'ai dit le mot, tu dois transporter Chris en toi. Pour arriver là où tu vas arriver. Même si tu vas au Maroc, ça ne va pas me rester. Elle se réveille. Parce que j'étais bon parti de l'éducation pour aller coucher l'évangile. Mais il y a une forte esprit de masque que tu dois faire. Tu dois faire. Et il faut beaucoup prier contre tes mains, l'argent. Je ne voyais pas sur les finances. Vous pouvez dire la grâce pour mettre ta main. Ça veut dire quoi? Il faut vraiment être comme ça. Parce que tu es une famille que Dieu veut que tu sauves. Maintenant, Jésus. Elle a une réponse. Ta fille? Elle a besoin de Dieu. C'est un esprit. Elle a besoin de délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là.
libéral. Tu dégages. Taïa Brachi de Bruce. Paix. Paix. Je la vois, je lui dis, elle fait quoi? Elle n'a jamais été fait, parce qu'elle est pas. Elle n'a jamais été servante quelque part. Elle n'a jamais été servante quelque part. Viens, va parler. Viens. Elle n'a jamais été servante quelque part. Il ne sait pas pourquoi. Parce que c'est qu'elle est vide. J'ai dit comme si elle était pas des servantes. Ok, vous êtes bon, c'est juste. J'ai la barouchia d'as. Tu l'as pris où? Ça en est où? Elle est dans lui? Parce que j'ai vu une faute d'esprit, comme si on allait lié. Elle n'a pas le jeu bizarre à votre maison. Elle n'est pas son. Elle a besoin de défense. Parce que c'est quelque chose que je vois dans la fond, c'est que c'est quelqu'un comme si. Il en est, en fait, elle est comme ça, liée. Et j'ai vu qu'elle est condamnée à être éternelle toute sa vie. Elle peut faire quelque chose de bon à sa vie. Elle a pas besoin de délivrance. Vous voyez comment il y a un esprit. Il y a un esprit qui doit dégager. Et je vois comme si c'est des fâches là. Et comme il y a un démon qui se manifeste en elle. La femme a besoin de délivrance. Pas un besoin. Ça va? Ça va bien? Bon, c'est. Où t'as ici? Où t'as ici? Où? Non, mais pas laisse-moi parler. Allez, Michel. Depuis, je pense que ça. Qu'est-ce que tu tiens à regarder? C'est maintenant que tu vois ça. Qu'est-ce que tu remarques? Je sais pas. Quand tu es venu, Tu as essayé de te soucier de la vie. Et bizarrement, les chaînes là peuvent être comme un fardeau là. Bon. Ouvre, je vais te faire un truc. Demande-moi une. Si tu veux, tu profites, tu veux, tu jettes. C'est un toi et des pratiques comme ça. Si tu veux, tu jettes parce que tu poses. Tu demandes ça parce que on va pouvoir te dire du riz. Il est même qui est là à travailler. Pourquoi forcément l'esprit? Il y a des gens qui ont se retrouver dans leur village. Il y en a qui ont se retrouver dans leur maison familiale. Il y en a qui ont se retrouver dans des coins bizarres. Quand vous avez soufflé là? Il y a des gens comme si dans leurs oreilles, ils vont sentir comme si quelque chose qui passe dans leurs oreilles, comme on va les parler. Toi, sois seulement un esprit, mais ne sois pas discret.
Raba Shaka Rabus. Raibushita Raba Katara Baba Pe. Chercher à mettre à la pardonner. Il faut les faire beaucoup attention à la nourriture. Les faire beaucoup attention. Alors, au moins, je sens que les siffler. Dieu va disparaître ces gens. Ça fera comme le feu de l'air minute. Thank you.
réunis quelque part. Mais les gens qui sont réunis, ce ne sont pas les gens qui sont à Abidjan. Ils sont au village de ton mari. Tu avais une belle sœur avant qu'il gérait le sénat de ton mari. J'avais une belle sœur qui gérait le sénat. Mais qui t'appelle son nom? La fille là s'appelle Ouattara, non? Oui. Mais je vois son nom, je vois qui est son nom. Je suis dans la cour de tes parents. Au nord. Je suis dans les chambres, je vois beaucoup de fétiches. Mais c'est lié à ton père. Ça s'appelle M. Ouattara, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, lorsque je suis rentré dans la cour, j'ai vu qu'on s'y est d'abord côté. Mais ce que je suis en train de voir, je vois les gens sont associés. J'attends, on parle des deuxièmes femmes. Deuxième femme. J'attends, il y a une qui parle. J'attends Ouattara Maïmoun. Ça va aller? J'attends Ouattara Maïmoun. Le nom que j'attends là, je vois des gens assis. Ils disent que notre religion peut avoir des femmes. Quand je vais parler, c'est pour. La femme-là même, elle peut même rester même au village ici. Parce que je vois les gens sont en train de faire la consultation. On leur a dit que. Parce que avant ça, j'ai vu les gens alignés. Ils viennent voir ton beau-père. Ils voient qu'il est comme un fétiche. C'est vrai dans mon esprit. Comme s'il fait des médicaments pour les gens. Je vois les gens alignés. D'ailleurs, il va aligner comme ça. Et ce que je vois dans mon esprit, c'est que je vois qu'on parle de ton mariage. Ils sont associés. On dit que toi, tu n'es pas musulman. Pourquoi il veut te marier? Pourquoi lui, il va à la mosquée? Quand il sera en train de siffler ce soir, tu peux le soir, tu vas voir. Il y a ta tête qui a été ici. Je vois beaucoup d'elle avec son papa. Mais je vois comme si elle veut retourner. Mais elle va aller, c'est pas pour aller rester là-bas. Elle va rêver. Mais je dis, maintenant, quand il est en train de siffler, Dieu va disposer les campagnes. Parce que c'est comme si tu es en plein gagnant. Lève tes mains, chérie. Thank you.
toi. Dieu m'a dit de dire. Madame, tu vas où? Dieu m'a dit. Et c'est aujourd'hui. Je vais te passer. Dieu m'a dit de prendre le fond. Je vais te poser. Je vais prier. Le marché que tu vas recevoir. Parce que je viens un grand marché. Comme ce qui était passé à 2022, 2022. J'ai une fille, non? J'ai une fille, non? Oui, à quoi? Si tu la laisses pas, ta fille, je suis un loin de Dieu. Je te la surveille. Je suis un loin de Dieu. Moi, je suis un loin de Dieu. Je t'ordonne maintenant. Amen.